Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui au programme de terminale STMG, la notion de moyenne arithmétique et de la moyenne géométrique. La moyenne arithmétique, c'est celle que vous connaissez depuis toujours. Par exemple, vous voulez savoir quel est le prix moyen sur une année, quand ça a augmenté la première année de 10 euros, puis la deuxième année de 20 euros. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'augmentation totale, 10 plus 20, 30 euros divisé par 2, en moyenne, ça augmente de 15 euros. Donc, qu'est-ce que c'est que la moyenne arithmétique de deux nombres? Ben, c'est la somme des deux nombres divisée par deux. C'est exactement la même chose que vous faites quand vous voulez calculer la moyenne de deux notes. La moyenne géométrique, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus complexe. Elle apparaît à quel moment? Ben, elle apparaît quand vous voulez faire des évolutions avec des pourcentages. Exemple, j'ai une augmentation une première année de 10%, puis une deuxième année de 20%. Je m'intéresse à l'évolution moyenne sur une année. L'erreur à ne pas faire, ça serait de dire 10 plus 20, 30%, 30% divisé par 2, 15%. Parce qu'on n'oublie pas qu'à partir du moment où on a augmenté de 10% le premier prix, ce prix a augmenté, donc les 20% du premier prix donneront quelque chose de plus élevé que ce qui était prévu au départ, s'il avait été le même. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est dire, j'ai une augmentation de 10%, ça correspond à un coefficient multiplicateur 1 de 1 fois le prix, plus 10 sur 100, 1,1. J'ai une augmentation de 20%, donc ça correspond à un coefficient multiplicateur 2 de 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Et ça porte bien ces noms, leurs noms, ces coefficients multiplicateurs, puisqu'on va les multiplier entre eux pour avoir ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur global, qui permettra de passer du prix de départ au prix final juste en multipliant. Donc on multiplie 1,1 par 1,2, ça fait 1,32. Alors pour l'instant, on n'a pas fait de moyenne. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est savoir en moyenne quel est le coefficient multiplicateur. Donc, on l'appelle grand M. Ce coefficient multiplicateur, on n'oublie pas qu'on va le multiplier deux fois. Donc, ça va faire M fois M, M au carré. Donc, M au carré doit donner le global, donc 1,32. Vous savez tous que pour enlever le carré, on fait une racine carrée. Donc, mon coefficient multiplicateur moyen va être de 1,148. Quand vous avez ça, vous pouvez trouver le taux global en disant que un coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t sur 100, on enlève le 1, puis divisé par 100, on le fait passer, ça devient fois 100. Vous avez donc un taux moyen de 14,8%. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler la moyenne géométrique de deux nombres? C'est tout simplement la racine carrée du produit. Ça vient de ça. Ça vient que quand on fait agir un coefficient multiplicateur deux fois de suite, il est au carré. Et donc, pour enlever le carré, on fait racine carrée de A fois B. Voilà!